Les enfants, aujourd'hui nous allons faire des mathématiques. Nous allons essayer de résoudre un problème de partage. Donc, pour cela, tu vas avoir besoin de prendre du matériel chez toi à la maison. Alors, tu auras besoin de 10 petits objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En plus de ces 10 petits objets, tu vas devoir prendre 3 personnages. Donc ici, moi j'ai pris des poupées de ma fille. Et toi, tu peux prendre soit des poupées si tu en as à la maison, ou encore des Lego ou des petits camions. Il faut juste que tu en aies 3. Tu peux mettre pause sur ta vidéo et aller chercher ton matériel. Tu as tout ce qu'il te faut pour travailler, les 10 petits objets et les 3 personnages. Si tu as ton matériel, je vais te demander de retenir certains mots dont on aura besoin pour travailler. Donc, il s'agit du mot partage ou partager, le reste, compare ou comparer, plus que, moins que, autant que, pas assez, trop. Tu les gardes bien dans ta tête? Tu peux répéter avec moi? Je les redis encore une fois. Partage ou partager. Le reste. Comparer. Plus que. Moins que. Autant que. Pas assez. Trop. Tu les gardes dans ta tête? Bien, maintenant je te présente une histoire. C'est l'histoire d'une maman qui va au supermarché. Elle achète des raisins pour les partager à ses enfants. Donc, quand elle rentre chez elle à la maison, elle a une grappe qui a 10 raisins. Moi, j'ai pris des raisins, mais toi, tu peux prendre des petits objets que tu as chez toi, que je t'ai demandé de prendre comme matériel. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle veut partager ses 10 raisins entre ses 3 enfants. Entre Lola, Émile et Léa. Comment va-t-elle faire? Combien de raisins auront-ils chacun? Combien de raisins chaque enfant va avoir? Tu peux mettre pause sur la vidéo et réfléchir un peu à côté. Pour t'aider à réfléchir, tu peux manipuler les objets que tu as ou encore tu peux faire un dessin. Tu mets pause et je te laisse chercher un tout petit peu. Tu as cherché? On va le faire ensemble. Alors, il y a les 10 raisins qui sont là, qu'elle veut partager entre les 3 enfants, Lola, Émile et Léa. Elle peut simplement choisir de donner ses raisins à Lola, deux raisins à Émile et tout le reste à Léa. Léa, elle est gourmande. Donc, comment la maman a partagé les 10 raisins entre ses 3 enfants? Elle en a donné 3 à Lola, 2 à Émile, 1, 2, 3, 4, 5, 5 à Léa. C'est une manière de faire. Est-ce que tous les enfants ont le même nombre de raisins? Non. Lola a 1, 2, 3, 3 raisins. Émile a 1, 2, 2 raisins. Et Léa a 1, 2, 3, 4, 5. 5 raisins. Ça, c'est une manière de faire. Je vais te présenter maintenant une autre manière de faire. On va
tout remettre dans le panier à raisins. Donc, les 10 raisins retournent à leur place. Quand on est en grande section, on apprend à organiser son travail. Alors, donc, ce que je vais te montrer maintenant, c'est une manière un peu plus organisée de faire du partage. C'est ce que je te recommande. Donc, il s'agira de prendre un raisin et de le donner à un enfant. Et de prendre un autre raisin et le donner à un autre enfant. Donc, commençons. Tu peux regarder d'abord et après, tu pourras mettre pause sur la vidéo pour t'entraîner à faire la même chose. Je prends un raisin que je donne de là. Je prends un autre raisin que je donne à Émile. Je prends un autre raisin que je donne à Léa. Puisque chacun a un raisin, je reviens prendre un autre raisin que je vais donner à Lola en premier parce que c'est par elle que j'ai commencé. Je prends un autre raisin que je donne à Émile, qui est le deuxième. Un autre que je donne à Léa. Je prends un autre encore que je vais donner à Lola. Je recommence avec Lola. Je continue avec Émile, j'en rajoute un à Léa et je reviens encore une fois à qui? À Lola. Bon, je donne un raisin de plus à Lola. Combien de raisins à chaque enfant cette fois-ci? Lola a 1, 2, 3, 4 raisins. Émile a 1, 2, 3 raisins. Et Léa a 1, 2, 3 raisins aussi. Est-ce qu'ils ont tous le même nombre de raisins? Non. Lola a plus de raisins que Émile et Léa. Ou en, pourquoi? Parce que Lola en a 4 et Émile et Léa en ont 3 chacun. Émile et Léa ont moins de raisins que Lola. Pourquoi? Parce que Émile et Léa ont chacun 3 raisins et Lola en a 4. On dit que le partage est inéquitable. Tu peux répéter après moi? On dit que c'est un partage inéquitable. Pourquoi on dit que c'est un partage inéquitable? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un partage inéquitable? Un partage inéquitable, c'est lorsque toutes les personnes à qui on a distribué, à qui on a partagé, n'ont pas le même nombre d'objets. Puisqu'ils n'ont pas le même nombre d'objets, on dit que c'est un partage inéquitable. Tu peux t'entraîner à le faire avec des raisins comme moi. Tu peux t'entraîner à le faire avec des pâtes, avec des stylos, avec des bonbons. Est-ce que tu as bien compris? Très bien. À bientôt.